Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller dans le lobby Fortnite, ensuite appuyer sur carré pour choisir les modes de jeu. Et là, vous allez dans code de l'île et vous allez écrire le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 2, 9, 3, 1, 8, 5, 6, 7, 7, 4, 2, 6. Ensuite, vous validez et vous attendez que la map se charge. Donc là, quand vous voyez la map, vous appuyez sur X. Alors très important, appuyez sur flèche du haut pour ne pas être en public. Donc regardez, là, je suis en partie publique. J'appuie sur flèche du haut et je suis en partie privée. Donc ensuite, j'appuie sur triangle pour jouer. Et là, vous allez tout simplement attendre que la map se charge et que le jeu se lance. Donc là, on attend. Donc la map, c'est Pro Red V6 Bounty. Alors si bien sûr la map ne fonctionne plus, essayez d'utiliser la même version que moi. Je ne sais pas si la version s'affiche. Peut-être qu'il n'y a pas de version sur celle-ci, mais on verra ça tout de suite quand la partie va se lancer. Donc là, quand vous êtes dans la partie, déjà ce que vous pouvez faire en attendant les 25 secondes, c'est d'appuyer sur triangle, ensuite effacer le code actuel et mettre le code SCM en minuscule ou en majuscule. Puis ensuite appuyez sur accepter pour valider le code. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que vous aurez mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais voilà, si vous voulez le faire, merci à tous ceux qui le font, ça soutient de ouf la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Alors ici nous n'avons pas de version, donc ouais, vous ne pourrez pas choisir la version. Donc si il y a une nouvelle version et que le glitch ne fonctionne plus, ben c'est que c'est patché. Alors, ce que vous allez faire déjà, première chose, c'est de descendre ici. Voilà, vous descendez ici en plein milieu. Vous allez récupérer le bouton vert. Déjà, ça me donne 1000 XP quand je récupère le bouton vert. Alors, bien entendu, moi, ça me rapporte 1000 XP. Mais vous, ça peut vous rapporter 2000, 5000, 10 000 XP. Ça dépend les comptes. Voire moins d'XP, ça dépend. Il y a des personnes qui vont gagner beaucoup plus d'XP. Et il y a d'autres personnes qui vont gagner beaucoup moins d'XP. C'est totalement aléatoire. Alors, ici, regardez, vous avez des tonneaux rouges. Donc là, celui-là, il ne fonctionne pas. Mais celui-ci, il fonctionne. Quand vous allez appuyer sur carré, vous allez obtenir 1000 pièces et vous obtenez 12 000, voire 13 000 XP. Donc ça, c'est super cheaté. Ici, vous prenez le saut comme je suis en train de le faire. Ouais, non, en fait, pas comme je suis en train de le faire. Vous prenez le saut comme ça et vous allez sur la gauche. Voilà, ensuite, vous êtes à l'étage supérieur. Vous reprenez le saut et vous allez vous placer sur le drone qui est juste ici. Donc là, j'ai raté. On va recommencer. Hop. What? Ah non, c'est normal. Il faut que je reprenne le saut là, que j'aille sur la gauche. Voilà. Ensuite, je prends ce saut là et là, je me dirige sur le drone. Là, j'appuie sur carré. Ça me donne encore 1000 pièces d'or et je gagne encore 13 000 XP. Ensuite, vous allez en face. Non, même pas. Vous n'allez pas en face. Vous allez récupérer les shields, les petits boutons verts. Un petit logo vert comme je suis en train de le faire, voilà, ça vous gagne des XP en plus. Si vous prenez le petit tremplin ici, vous venez près de l'antenne ici et vous appuyez sur carré. Là, ça vous donne encore 1000 de pièces et ça vous donne encore des XP. Ensuite, ce que vous faites avec vos pièces, c'est que vous venez ici et vous achetez les objets. Comme ça, ça vous donne blindé d'XP. Voilà, là, j'ai plus de pièces en or, donc je ne peux plus acheter d'objets. Donc, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je retourne en plein milieu de la map. Normalement, voilà, les logos verts vont réapparaître. Hop, je les récupère. Et là, quand c'est fait, je fais option. Je mets paramètres réapparaître. Je crois que c'est bon si je fais réapparaître. On va voir. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire un autre truc. Ok, ça n'a pas l'air de fonctionner. Si ça ne fonctionne pas... Attendez, on va quand même regarder si ça a fonctionné. Mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, donc... Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, les mecs, c'est tout simple. On va quitter le mode créatif. Et à la place de lancer directement la map via le lobby de Fortnite, on va lancer la map via le mode créatif. Donc, on va dans découvrir. On va choisir le mode créatif. Ouais, si je le trouve, bien entendu. Où est-ce qu'il est?
Epic mode créatif. Voilà, je lance le mode créatif et en fait on va rentrer le code dans le mode créatif directement, comme ça on va pouvoir relancer la game en illimité pour récupérer les pièces d'or et refaire la manipulation en illimité. Donc là on attend que le mode créatif se lance. Ensuite quand le mode créatif s'est lancé, on va aller près d'une faille, hop, un portail. On va noter le code 2, 9, 3, 1, 8, 5, 6, 7, 7, 4, 2, 6. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous acceptez. Vous attendez que l'île se charge. Quand l'île est chargée, vous allez rentrer dedans. On va attendre un petit peu. Ah oui, apparemment, j'ai entendu dire qu'il y aurait un glitch d'XP. Demain, apparemment, ce sera demain. Ici, normalement, quand vous vous mettrez sur cette petite cheminée ici, voilà, vous resterez AFK sur cette cheminée ici. Je pense que c'est celle-ci. Ou peut-être une autre, je ne sais plus. De toute façon, je vous ferai la vidéo dès qu'elle sortira. Mais apparemment, on gagnerait des XP aléatoirement dans cette map. Bon, après, ça reste à voir. On vérifiera ça demain quand ce sera disponible. Alors là, je rentre dans la map. Là, vous pouvez mettre mon code créateur si vous voulez, bien entendu. SCM, comme d'habitude. Hop, vous acceptez, vous êtes les BG. Merci à tous ceux qui le font. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Option. Vous allez dans Paramètres, Menu et vous lancez la partie, tout simplement. Donc là, vous attendez que la partie se lance. Quand la partie s'est lancée, on va refaire comme tout à l'heure. Nous allons ici, nous allons prendre les 1000 pièces qui sont juste ici. Boum, je gagne 12 000 XP. Voilà, c'est trop cool. Ensuite, nous allons prendre le blindage ici. Voilà, on gagne 923 XP. C'est super stylé. Alors, 1800 XP, boum, au KLM. Ensuite, on monte ici. On va chercher les pièces d'or qui sont dans le tonneau. Juste ici. Après, c'est possible qu'il y a des pièces d'or cachées autre part, hein. Peut-être que je ne les connais pas tous. Donc là, vous avez vu, j'ai récupéré les 1000 pièces d'or. Ça ne m'a pas donné les XP parce que c'est possible que parfois, ça n'en donne pas. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais prendre ceci. Est-ce que ça va me donner des XP? Non, ça ne me donne pas les XP. C'est pas grave. Avec les 3000 pièces que j'ai, hop, on achète les armes. Voilà, en illimité. Ensuite, pas en illimité, mais jusqu'à temps que vous ayez plus de pièces. Ensuite, on va aller récupérer les deux blindages qui sont là-bas. Voilà, hop, on récupère les deux blindages, ça nous donne des XP, on est content. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur Option, on met Arrêter le jeu. Et là, quand le jeu s'arrête, vous allez tout simplement appuyer sur Carré pour recommencer. Donc là, victoire, parfait, vous avez gagné. Et là, vous faites Rejouer. Donc là, la partie va se relancer, on va attendre que la partie se lance. Ensuite, on ressaute, on va ici, on récupère les pièces à gauche, hop. Voilà, on gagne 9000 XP, plus 1000 pièces, c'est parfait. C'est gratuit, donc on prend. Ensuite, ici, on récupère le blindage, 700 XP. Ici, on récupère le blindage, 700 XP. Et là, on remonte les escaliers juste ici. On va chercher le petit truc qui est juste ici. Les petites pièces qui sont sur le tonneau rouge, ça me donne des XP. Vous avez vu tout à l'heure, ça ne me donnait pas d'XP, maintenant ça m'en redonne. Voilà, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Ici, on va sur le drone, hop, on récupère les XP, enfin les pièces. Ok, ça me donne pas d'XP cette fois-ci, c'est aléatoire. Ici, il y a un truc là que je vois. Non, on peut rien faire avec ça. Ok, parfait. Et là, on va récupérer déjà les blindages qui sont ici. Voilà, 600. Voilà, parfait. Ensuite, on va aller acheter des armes qui sont là-bas. Boum. Et on use nos pièces d'or et on refait ça en illimité. Alors, quand vous êtes à la manche 3, parce que là, regardez, si je mets arrêter le jeu, ça va mettre manche 2, si je ne me trompe pas. Ah non, ça met une manche sur 3. Donc, c'est parfait. Vous allez faire ça en illimité. Et quand vous avez fait ça blindé de fois et que vous gagnez plus trop d'XP, ce que vous faites, c'est que vous fermez l'application. Vous ne quittez pas le jeu comme ça en quittant le mode créatif. Non, vous ne faites pas ça. Vous quittez le jeu directement en fermant l'application. Et ensuite, vous relancez le jeu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Hein. Vous quittez le jeu, vous relancez le jeu. Et ensuite, quand vous avez relancé le jeu, vous allez en mode créatif. Vous quittez le mode créatif. Puis après, vous relancez le mode créatif. Et là, vous relancez la map et vous refaites le glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Srocool mec. Et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.